Alors, Roger, c'est plus pour une fille de la campagne. J'avais installé cette chaise en plastique de biais de manière à ce qu'elle soit protégée par la pluie et qu'elle ait de l'ombre pour le soleil dans son petit enclos. Je la déplace pour qu'elle ait toujours de l'herbe parce que avant elle n'aimait que le foin et les croquettes et maintenant elle veut être toujours dehors. Et cette nuit, enfin ce matin quand on est sorti, on a découvert qu'elle avait fait un beau terrier. Alors j'ai l'impression que c'est plus pour se mettre au frais à cause de la chaleur qu'autre chose. Et je vais demander à Roger si elle veut bien se pousser pour montrer son chef-d'œuvre. Allez, Madame Roger, je nous montre. Regardez-moi ce beau chef-d'œuvre. Un rotrou. Un beau terrier. Bon, je ne sais pas trop si on voit grand-chose. Enlever ça. Voilà. Un beau trou. Un beau terrier. Je vais essayer de mettre ma main pour que vous vous y rendiez compte de la profondeur. Et voilà, la profondeur de la main. On voit quelque chose, pas du tout. Pas trop doué. Hop, regardez, la profondeur de la main. Et effectivement, il fait bien frais. Donc je pense qu'elle a fait ça pour se mettre au frais. Alors, hop, Madame Roger, je vous remets votre... Voilà, je remets la petite chaise pour avoir de l'ombre. Vous pouvez retourner à l'ombre, Madame Roger, si vous voulez. Restez pas au soleil, c'est pas bien. Allez, va te remettre à l'ombre, ma nanette. Va, va à l'ombre. Tu restes pas là. Faut pas rester comme ça, faut aller te mettre à l'ombre. Va te mettre à l'ombre, va. Va, tu veux pas. Tu veux pas, tu fais ta coquine. Bon ben voilà, j'ai le fin mot de l'histoire. Je pense que c'était pour être bien à l'ombre. Oh, sacré Roger. Il est bien caché là. T'es caché? T'es caché? Va vite te mettre dans ton trou. Vite, vite. Vite, vite. Tu te mets dans ton trou? Tu te caches? Va te cacher. Ouais. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour être au frais. Mais t'as bien raison, ma nénette.